nous sommes perdus. Où sont les plans de l'étoile noire? Salvador, cette félonie porte bien votre marque. Le siège impérial saura punir cet acte de piraterie. Vous avez attaqué une mission diplomatique. Trêve de faux semblants, Altesse. Cette fois, vous n'êtes pas en mission de bienfaisance. Nous avons capté des messages émanant de plusieurs satellites rebelles. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis membre du Sénat, en mission à Alderaan. Vous avez parti lié avec les rebelles. Vous avez trahi. Qu'on l'emmène. La filière de la rébellion remonte à la princesse. Elle seule peut nous mener à la base secrète des conjurés. Elle se laissera mourir plutôt que de les trahir. Je la ferai parler. Quelle mission? Qu'est-ce que tu me chantes? Pas question que j'aille par là. De ce côté, c'est plus facile. Un véhicule! Ça vient d'un droïde, ça? J'ai besoin de toi ici. Tu comprends? Mais ça fait toute une année! Écoute, reste encore une petite saison. Oui, tu me l'as déjà dit quand mes copains sont partis. Où vas-tu? Je ne vais nulle part à ce qu'il semble. Je vais finir de nettoyer ces fichus droïdes. Et maintenant, Altesse, je suis sûr que vous allez nous dire où est la base secrète de la rébellion. Oui, je vois deux bantas par là. Ce sont des hommes des sables. Tu as pris un vilain coup. Ben... Ne restons pas ici. Autrefois, j'étais un chevalier Jedi, comme ton père. Il voulait que cela te revienne. Vous avez jadis servi dans la guerre contre l'Empire. Notre vaisseau est tombé aux mains de l'ennemi. J'ai pu mettre des informations vitales dans le mémorisateur de ce droïde. Livrez-le à mon père sur Alderaan. L'issue du combat dépend. Au secours, il va m'accompagner à Alderaan. Il faut que je rentre à la maison. Il n'y a plus rien qui me retienne ici. J'apprendrai à maîtriser la force pour devenir un Jedi, comme mon père. J'ai trouvé un pilote qui pourrait nous aider. Deux droïdes et aucune question à l'esprit. Disons 15 000. Disons 22 000. Un croiseur impérial, nos passagers sont plus précieux que je ne le croyais. Rasseur de portée, règle défecteur anti-rayon, je calcule les coordonnées pour passer en vitesse lumière. Mais d'ici là, je vais te montrer comment on les sème. C'est quoi ce clignotant? Ça indique que les défecteurs étaient réglés. On passe la barre de la vitesse lumière. Tarkin, je ne suis pas surprise de vous voir dans l'ombre de Vador. J'ai senti votre odeur méphitique dès que je suis montée à bord. Charmante et délicate. Dire que j'ai tant hésité avant de signer votre condamnation à mort, c'est incroyable. Leila, en prélude à votre exécution, j'aimerais que vous soyez mon invité d'honneur à la cérémonie de la première action de guerre de notre étoile noire. Aucun système sidéral n'osera plus défier l'Empereur. Plus vous resserrez l'étau impérial, et plus vous aurez d'ennemis prêts à combattre votre dictature. Non. Voyant notre puissance, ils capituleront sans hésiter. C'est un peu vous qui avez déterminé le choix de la planète qui servira d'exemple. Étant donné que vous refusez si noblement de nous dire où se trouve la base rebelle, alors je choisis de tester les capacités de destruction de mes armes sur votre bonne vieille planète d'Alderaan. Non, Alderaan est pacifique. Nous n'avons pas d'armes, il est impossible de... Vous préférez un autre objectif? Un objectif militaire? Alors dites où est la base rebelle. Je suis là de poser cette question. Allons, pour la dernière fois, avouez, où est la base rebelle? Tatooine. Ils sont à Tatooine. Poursuivez les opérations. Commandez le feu quand vous serez à portée. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? J'ai ressenti un grand bouleversement de la force, comme si des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur, puis s'étaient éteintes aussitôt. Allons, mon enfant. Continue tes exercices. N'oublie pas, un Jedi doit sentir la force filtrée à travers son esprit. Elle peut influencer les actions? En partie, oui. Mais elle sait aussi obéir quand on la commande. Toutes ces croyances à la noix, ces armes démodées, ça vaut pas qu'on puisse te laisser aux côtés, petit gars. Tu ne crois pas que la force existe? Tout ça, c'est du flan.
Je voudrais que tu essayes encore une fois, Luc. Essaie d'oublier ton être conscient et agis d'instinct. Mais je ne vois rien. L'œil ne voit que la surface des choses. Ne t'y fie pas. Laisse-toi guider seulement par ton intuition. Tu vois, tu arrives. Ça a beaucoup de chance. Sors de l'hyperespace pour tomber dans une petite météorite. Qu'est-ce qui cloche? Position est correcte, mais il n'y a plus les dalles de rang. Où est-ce qu'elle est alors? Désintégrée par l'Empire. Quoi? Il y a un appareil qui approche. Un chasseur tir, on dirait. Regardez, il se dirige vers cette petite lune là-bas. Ce n'est pas une lune, c'est une base sidérale. Mais c'est impossible, c'est bien trop grand. Faites demi-tour. On se rapproche toujours. Pourquoi? On est attiré comme par un aimant laser. Il y a sûrement un moyen de s'en sortir. S'il y en a un, je ne le connais pas. J'ai mis toute la gomme, ça va casser. Mais il y a d'autres façons de remporter la victoire. Il n'y a personne à bord, monseigneur. Ah, je m'attendais pas à me planquer moi-même là-dedans. Entre ton copain Chico qui hurle et toi qui mitraille tout le monde, c'est un miracle qu'on soit pas encore repéré. La princesse. Je dois m'occuper seul de ce rayon tracteur, Luc. Que la force soit avec toi. À tout jamais. Ça ne marchera jamais. Fallait le dire plus tôt. On transfère ce prisonnier du bloc 1, 8, 3. On ne m'a rien dit. Quelle est belle. Ils recrutent des nains maintenant dans les commandos? Hein? Ah oui, l'uniforme. Je suis Luke Skywalker. Je viens à votre secours. Quoi? Je suis venu pour vous sauver. J'ai votre droïde D2. Je suis avec Ben Kenobi. Ben Kenobi? Mais où est-il? Allons, venez. Il n'avait qu'un moyen de sortir d'ici. Et vous l'avez coupé. On t'attend, on t'attend, les deux. On s'en fout, ça. Excuse nous, on va pas que vous nous offrez, princesse. Pousse-toi, Chico. Inutile! J'ai déjà essayé! La serrure est magnétique! Posez votre arme, vous allez tous nous tuer! Y'a quelque chose qui bouge! T'as trop d'imagination. Y'a quelque chose qui m'a attrapé! Ah, Luc! Luc! Allô, vous m'entendez? Ne restez pas sur rien, faites quelque chose. Allô, C3PO, C3PO, bloque tous les broyeurs à notre niveau. Vous m'entendez? Bloquez tous les broyeurs au niveau 5. Ne discute pas, il coupe tout. On est sauvés. On est sauvés. Vous êtes venus dans cette casserole. Vous êtes plus courageux que ce que je croyais. Quel courage. Si ce crétin se fait tuer, ça nous avancera à quoi? Allons, venez! Je vous attendais, Obi-Wan. Mais aujourd'hui, je suis le maître. Le maître des forces du mal, Vador. Vos pouvoirs s'estompent, vieillard. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai plus puissant que tu ne pourras jamais l'imaginer. Vous avez eu grand tort de vous mesurer à moi. Diane, l'appareil n'a rien? Maintenant. C'est du beau boulot ce décollage. On nous a laissé fuir. On a sauvé des deux, c'est l'essentiel. J'arrive pas à y croire. Vous ne pouviez rien faire pour... Allez, viens, petit gars, on n'est pas tiré d'affaire. Débranché, attention, ouvre l'œil. Ils sont là. Ils sont bien trop rapides. Ils ont touché le contrôle latéral. Je l'ai eu. On a gagné. L'étoile de la mort va t'arrêter dans 5 minutes. La vache, c'est grand. Ça va secouer. J'amorce l'attaque. L'étoile de la mort est en orbite. Luc, votre coordinateur est débranché. C'est à croire qu'il est protégé par la force. Fais appel à la force, Luc.